télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal à la une. Que retenir de la semaine du président allant du 21 au 27 août 2022? Voici les condensés concoctés pour vous par la presse présidentielle. Chose promise, chose due. L'usine de captage, de traitement et de distribution d'eau potable de Lemba Imbu a été inaugurée le mardi 23 août 2022 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une promesse tenue, le chef de l'État l'avait annoncée dans son discours d'investiture du 24 janvier 2019, affirmant sa détermination de relever les défis de l'amélioration du social des populations congolaises avec des projets d'infrastructures socio-économiques de base dans les secteurs de l'eau potable. Implanté au terme des grands travaux exécutés par l'entreprise sud-coréenne Hyundai Engineering en ayant 30 mois, le premier module de l'usine de captage, de traitement et de distribution d'eau potable de Lemba Imbu est une unité d'une capacité de production de 35 000 m3 d'eau potable par jour. Elle est située à une trentaine de kilomètres du centre-ville au confluent des rivières Ndjili et Lukaya. L'usine compte trois phases au total. La première phase inaugurée va approvisionner en eau potable les communes d'Ndjili et de Kimbanseke qui souffraient depuis des décennies de la carence des dessertes en eau potable. Les deux autres phases vont donner de l'eau potable aux autres municipalités de la Tchangu, de Lemba, à la cité de l'université de Kinshasa et à une partie de Mongafula. Porteur de message de son président Azali Assoumani, l'ambassadeur de l'Union des Comores en France, Ahmada Ahmadi, a été reçu en début de semaine à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le diplomate comorien a indiqué que les deux hautes personnalités se tiennent en estime, partagent une communauté de vues sur plusieurs sujets, tant bilatéraux que multilatéraux, et se consultent régulièrement. L'émissaire du président comorien a déclaré que son pays soutient le président de la République dans les efforts qu'il mène pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est du territoire national. Un autre hôte de marque reçu à la cité de l'Union africaine est l'ancien président du Nigeria Olusegun Obasanjo. Ses échanges avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont été axés sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et l'épineuse question de l'agression du Rwanda. Pour Olusegun Obasanjo, la RDC devra user de la théorie du bâton et de la carotte, c'est-à-dire non seulement la force, mais aussi le dialogue face à l'agression. L'ancien président du Nigeria avait jadis été désigné comme médiateur par Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l'ONU, dans la crise entre le gouvernement congolais et l'OM. Restons à la présidence, identification et changement des couleurs de plaques d'immatriculation du carrois automatique de la présidence de la République. Le dernier avertissement est donc lors au récalcitrant. À travers un communiqué officiel, le directeur du cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo, demande à tous les détenteurs de ces véhicules identifiables par le plaque de couleur bleue sur l'ensemble du territoire national de les rapporter pour identification afin d'acquérir de nouvelles plaques minérologiques de couleur rouge. Le détail, leur accord décourt jusqu'au 10 septembre prochain. On reconnaît vient d'être traduit en acte par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a partagé le mot reverend pasteur Roland Dallot de l'église Philadelphie, qui a perdu son père génitaire, monsieur Henri Ndende, Henri Bertin. Et suivez ce reportage. C'est un baobab de la République qui s'en va, laissant un vide irremplaçable dans le secteur de l'éducation nationale.
Henri Bertin Louata Lungayo Asikumu, un inconditionnel artisan de la bonne éducation qui a consacré toute sa vie à l'enseignement de base et à la formation de l'élite congolaise, a tiré sa révérence à Kinshasa à l'âge de 84 ans. Toujours proche de la population en toutes circonstances, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a honoré ce samedi 27 août la mémoire de cet homme d'expérience et d'exception, respectant ainsi la parole de Dieu qui dit « Pleurez avec ceux qui pleurent ». Proche de la famille et fervent chrétien, fidèle à l'église Philadelphie dirigée par le révérend pasteur Roland Dallo, fils biologique de l'illustre disparu, le président de la République a fait le déplacement de la cathédrale du centenaire protestant pour partager la douleur de la famille éplorée. Le président de la République, accueilli chaleureusement par ses frères et sœurs du centre missionnaire Philadelphie, s'est incliné devant la dépouille de papa Henri Bertin Louata avant de consoler son père spirituel, le révérend Roland Okitundu Dallo, à côté de sa tendre mère, la veuve Louata, visiblement inconsolable. Au cours de son exhortation du jour, le pasteur Kali Kasenda a orienté sa prêche sur deux livres de l'Évangile, à savoir Luc 12, 13 et 1 Timothée 6, 17 à 19, lesquels insistent sur le partage de l'héritage intellectuel, la simplicité et la générosité, des valeurs inestimables qui ont longtemps caractérisé papa Henri Bertin Louata durant son passage sur terre. Des bonnes œuvres, relayées à travers des témoignages éloquents, livrés sur place par d'éminentes personnalités du monde de l'enseignement, de l'éducation et de l'Église. Tous célèbrent papa Henri Bertin Louata Lungayo à cause de ses œuvres, mais aussi des loyaux services rendus à la nation, mais surtout à sa veuve, Madame Omoyi Cécile, et sa progéniture, riche de 5 enfants, 15 petits-enfants et 3 arrière-petits-fils. De son Sankourou natal à Kinshasa, en passant par le Maniema, le patriarche Henri Bertin Louata a exercé sa noble vocation, d'abord comme enseignant dans plusieurs écoles officielles du pays, puis directeur également dans différents établissements comme l'Athénée de la Gombe, l'Athénée de la Gare, et pour clôturer avec brio, de 2000 jusqu'à la fin de sa carrière comme directeur de l'école primaire 3 de Kintambo. Dieu a donné, Dieu a repris, que l'âme de papa Bertin Louata Lungayo Asikumu repose en paix. Changeons de chapitre, l'appel a été lancé aux partenaires de l'Afrique par le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, qui a exigé la traçabilité des matières premières et a interpellé le participant à la clôture de la 8e TICAD à Tunis sur l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage que nous propose Junior Dinanga. C'était devant la presse que le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, a passé en revue toutes les rencontres bilatérales qu'il a eues en marge de cette conférence du 8e TICAD avec les différentes autorités de pays et les chefs des institutions. Nous avons rappelé ce qu'étaient les points d'intérêt de la République démocratique du Congo dans la relation de coopération bilatérale que nous avons avec le Japon, notamment la santé, l'éducation à travers la formation, mais aussi les infrastructures et, plus important, les domaines d'échange technologique en ce qui concerne la recherche scientifique pour avoir la possibilité d'utiliser des méthodes de télédétection ici chez nous en République démocratique du Congo. Avec la première ministre de Tunisie, Madame Nijla Bouden Rodan, le chef du gouvernement congolais a dit. Nous avons échangé sur justement les divers domaines de coopération qui nous concernent. Nous sommes revenus sur, là aussi, la formation, parce qu'il y a, là, de ce côté-là, énormément sur lequel nous pouvons échanger. Nous avons voulu rétablir la relation que nous avions d'antan, si jamais on pouvait rétablir le corridor aérien avec Tunisair
et la ville de Kinshasa et donc la République démocratique du Congo. Nous avons insisté sur d'autres domaines tels que l'agriculture parce que nous voulons aller vers ces économies vertes. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a aussi rencontré le responsable de l'Union africaine avec lequel il est revenu sur les questions principales qui concernent la République. En matière de paix et de sécurité, ainsi que de stabilité, il s'agit de doter les armées africaines et les services spécialisés de capacités de protection civile, territoriale et nationale, et des institutions, notamment par la formation des hommes et des femmes commis à cette tâche. Jean-Michel Samalou Kondé a aussi échangé par visioconférence avec le Premier ministre japonais sur les questions de la paix et sécurité, mais surtout sur l'appui attendu dans les différents domaines énumérés ci-haut. Il a rappelé qu'il y avait déjà des engagements pris entre le Premier ministre japonais et le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Yokohama en 2019, et que ces engagements n'ont pas pu se réaliser comme ça le devrait à cause de la pandémie à COVID-19. C'est pourquoi il a échauffé ce dossier que cette fois-ci l'on puisse atteindre les résultats escomptés. Retenons que le chef du gouvernement congolais a enfin promis de faire le rapport de cette mission à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il avait envoyé le représenter à Tunis à la tête d'une forte délégation gouvernementale composée du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, du ministre d'État, ministre du Plan, du ministre de la Défense nationale, du ministre du numérique, du ministre de la communication et médias, ainsi que la vice-ministre des finances. C'est tard dans la soirée que le chef du gouvernement a quitté la capitale tunisienne pour Kinshasa. Autre chose à présent, la traduction était respective vendredi dernier. La 66e réunion du Conseil des ministres avait eu lieu, suivie dans cette restitution faite par Madame Catherine Katungu, ministre de Culture et Arts. Communication du président de la République, chef de l'État. Le président de la République, chef de l'État, a articulé sa communication autour de quatre points ci-après. 1. De la mise en place des indicateurs locaux des perceptions du climat des affaires. Le président de la République a rappelé au Conseil qu'il suit de manière la plus attentionnée les efforts allant dans le sens d'améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo, tant pour les investisseurs locaux qu'étrangers. La cellule climat des affaires de la présidence de la République avait été instruite de développer, en plus du tableau numérique des suivis évaluation des réformes, un autre outil pouvant permettre d'évaluer périodiquement les degrés de satisfaction des opérateurs économiques face aux réformes et autres pratiques liées au climat des affaires. Il s'agit du baromètre national sur le climat des affaires qu'il va lancer officiellement dans les prochains jours à la faveur d'une table ronde économique. Ce dispositif permettra non seulement de renforcer les dialogues publics-privés, mais aussi de fournir au gouvernement des éléments sur les ressentis directs des opérateurs économiques, de manière à lui permettre de mieux évaluer son action sur les questions du climat des affaires et par conséquent de mieux orienter ses futures politiques y relatives. 2. De l'examen de l'avant-projet du code du numérique. Le président de la République a rappelé sa ferme volonté de voir effective la transformation numérique en République démocratique du Congo. Pour lui, cela constitue un catalyseur de développement pour notre pays. Pour ce faire, l'action gouvernementale doit être nettement orientée vers cette visée de numérisation de tous les secteurs de l'administration publique.
saluant les efforts notables déjà enregistrés dans ces domaines au sein de certains ministères, notamment la sécurisation des titres fonciers et immobiliers et la numérisation des cadastres fonciers, le président de la République a insisté sur la nécessité de couvrir tous les champs de l'administration publique. D'où la nécessité et l'urgence d'accélérer la mise en place du cadre légal et relatif pour assurer un encadrement approprié à ces secteurs émergents. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a été instruit pour des actions de riposte conséquentes et un suivi méticulé. En quatrième lieu, le Premier ministre a annoncé que notre pays, abritant les travaux préparatoires de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, organise du 5 au 7 septembre 2022 à Yangambi, province de la Tchopo, en partenariat avec la République arabe d'Égypte, une conférence internationale sous le thème « La contribution des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux de la planète à la lutte contre les changements climatiques, état des lieux et perspectives ». Il a terminé son intervention par saluer l'inauguration de la nouvelle usine de captage d'eau de la Régie des eaux de Lemba Imbu. Cette réalisation, commencée en 2020, s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise en général et des Kinois en particulier. Parlons politique en brève. La marche de protestation des militants de Alliance pour le changement a été étouffée dans l'œuvre prévue pour ce lundi 29 août 2022 de la gare centrale au parquet près la Cour de cassation pour exiger l'application de l'ordonnance de ses cours consignant Jean-Marc Kabunda Kabund à la résidence surveillée. Les manifestants ont fait face à la militarisation de la gare centrale, selon Mwangi Ghislain, porte-parole de l'Alliance pour le changement, signalant que le gouverneur de la ville avait déjà, depuis longtemps, interdit toute action à la Gombe. Toujours en politique, désigné pour l'élection des Congo, c'est ce qui découle du parti cher à Prince Epengé. Ce congrès avait pendu les réfléchir sur le développement du parti et du pays. Le parti politique Action pour la démocratie et développement du Congo, ADDECO, du président Prince Epengé, a tenu samedi dernier son deuxième congrès. C'est dans le cadre de préparatifs pour le bon déroulement des élections de 2023. Thème choisi, 2023, pouvoir au peuple congolais. Ces congrès qui avaient pour but de faire un point sur la vie de ces partis afin de décider sur la croissance, l'avenir et pour le bien-être du pays. C'est un congrès extraordinaire pour faire les points sur la vie de notre parti et décider ensemble de son avenir et à celui de notre pays. ADDECO soutient la candidature de Martin Fayulu à la présidence aux élections 2023. Les congrès, après analyses minutieuses, réaffirment son soutien à la candidature de M. Martin Fayulu Madidi à la présidence de la République pour les élections de 2023. Pour des raisons évoquées ci-dessous. 1. Monsieur Martin Fayulu a fait preuve d'une constance politique tout au long de son combat, faisant de lui l'oiseau rare de la classe politique congolaise. 2. Monsieur Martin Fayulu est intègre, un homme honnête, intelligent et compétent. Signalons qu'à l'issue de ce congrès extraordinaire, ADDECO exige des élections transparentes et demande la levée immédiate de l'état de siège dans des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu.
en éducation, conférence débat nommée Journée diplomatique du Forum des étudiants en relations internationales de Kinshasa samedi dernier, était dans la salle de conférence du ministère des étrangères où plusieurs ambassadeurs ont communié avec les étudiants sur, sur leur domaine de formation. Cette première édition organisée par le FERIC en collaboration avec le mécanisme national de suivi, coordonné par M. Jonathan Loé, avait pour thème la diplomatie comme instrument de développement d'un État, cas de la RDC. Durant 3 heures, un débat riche en contradictions entre les intervenants a été vécu sur la question du développement de la RDC par la diplomatie. Nous avons rencontré des personnes, des experts, si je pouvais dire, qui ont atteint l'acmé de ce domaine. Et nous avons beaucoup appris, beaucoup des astuces en tout cas en tant que diplomate pour fonctionner dans les années à venir de notre pays. Cette activité tenue à l'intention des étudiants de la faculté des relations internationales. En croire le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adubango, présent à cette conférence, la diplomatie en RDC est qualifiée d'une hypocrisie. Une lecture que l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, a balayée du revers de la main. Ce qui amène aussi au fait de dire que c'est un métier qui est fondé sur l'altérité, c'est-à-dire sur la reconnaissance de l'autre et de ses valeurs. La philosophie profonde du diplomate, la philosophie profonde de la diplomatie, ce n'est pas de se mettre d'accord avec ses amis. C'est très très facile de se mettre d'accord avec ses amis. C'est très facile de trouver un intérêt commun avec ses amis. Ce n'est pas forcément de construire des accords avec ceux qui partagent les mêmes opinions que vous. Signalons que l'ambassadeur des Pays-Bas, Jolk Opewal, a aussi apporté sa pierre à l'édifice en vue de compléter la connaissance de ses étudiants futurs diplomates. Autre chose à présent, le Parlement des jeunes du Congo a un nouveau bureau dirigé par Hussein Ndala. La cérémonie d'investiture a eu lieu le samedi dernier dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Question de redynamiser cette structure. Suivez. Devant une centaine de jeunes venus des 4 coins de la République démocratique du Congo, le président honoraire du Parlement de jeunes, Arthur Omar Kayumba, a fait ses adieux démocratiquement au Parlement de jeunes pour laisser le siège à l'honorable Ngoï Ndala Hussein, élu le 29 juin 2022 pour un mandat de 2 ans renouvelable. Achever la mise en place des parlements des jeunes dans les entités territoriales décentralisées et celles de concentrer. Là, pour le deuxième engagement, quand je suis arrivé au Parlement des jeunes, c'était d'ouvrir les jeunes de la République à travers le monde. Le président sortant a procédé à sa dernière prestation de serment public d'allégeance à la patrie. À titre symbolique, un échantillon des 10 jeunes ont été élevés en dignité lors de cette cérémonie d'investiture. Une minute de silence observée pour rendre hommage à ces vaillants jeunes qui ont perdu la vue pendant la lutte, dont Rossi Mukendi, Sami Wechi et les autres, qui ont été décorés à titre posthume. Pour sa part, le président nouvellement installé a promis de travailler main dans la main avec le jeune afin de prendre de l'ascension au lieu de continuer de servir d'escabeau, tout en rappelant sa mission qui est d'initier cette jeunesse à la culture parlementaire et monitoring de politiques publiques et privées. En fait, je vais dire que nous avons une vision. Personnellement, j'ai une vision que j'aimerais partager avec mes collègues dans le sens d'encadrer cette jeunesse. Donc j'ai pour mission, pendant toute ma mandature, de plaider au nom des jeunes. Premièrement, c'est la redynamisation du Parlement des jeunes. Outre la redynamisation du Parlement des jeunes, je mérite, tout au long de ma mandature,
renouer les relations diplomatiques. Des États généraux de sport, toutes les délégations ont répondu favorablement. Le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, quoi pour réfléchir autour d'une table. Gorge le détail avec Josué Lelo. Pour s'assurer d'une bonne mise en place du lieu et d'une couverture médiatique de qualité des 6 assises très importantes pour l'avenir des sports congolais, les ministres des Sports et Loisirs Serge Kondé Chebo a dépêché hier dimanche 28 août à 12h une délégation pour se faire conduite par le secrétaire général du sport Barthélémy Okito et qui a rejoint la délégation de la presse arrivée samedi 27 août après-midi. Dans la foulée, un bon nombre de délégations dont la délégation du ministère provincial de la jeunesse. Certains invités spéciaux ont foulé les sols de Buela Lodge à mi-journée, 7h. De la journée de ce lundi 28 août, la délégation des fédérations et membres est arrivée ensemble et en grand nombre pour réfléchir sur l'avenir du sport congolais. L'on observe également en image une petite délégation des animateurs des léopards de la RDC pour ce faire. Il s'y est de rappeler qui s'y assise. On l'y est grâce à l'implication directe du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mandaté les ministres des Sports et Loisirs Serge Kondé Chebo à les tenir pour réfléchir sur les grands mots qui rongent les sports congolais depuis fort longtemps. La délégation des experts et autres invités spéciaux, fortement. Toutes nos plateformes numériques sont de nos programmes.